Bernard Lebol qui vous parle en français. Bonsoir. Mes chers élèves, vous furent très nombreux la semaine dernière à suivre notre premier rendez-vous et toute l'équipe technique et moi-même tenons à vous remercier. Déjà, les questions et les réactions fusent, parmi lesquelles celle d'un ouvrier au salaire étriqué qui craint que mes cours ne deviennent payants. Je vous rassure, monsieur, la France m'a tant donné qu'il est peut-être temps que je lui renvoie l'ascenseur. Je vais vous en lire une autre. C'est Jean-Louis qui nous écrit du Gers. Monsieur Lebol, j'ai suivi avec plaisir et discipline votre première leçon la semaine dernière. Je vous remercie d'offrir votre savoir à l'usage des moyens de personnes telles que moi. Vous êtes avec bien, monsieur Lebol. Toutefois, j'ai remarqué un problème lors de votre dernier quiz. C'est toujours la réponse A qui est la bonne réponse. Monsieur Lebol, malgré tout le respect que je vous dois, nous prenez-vous pour des cons? Post-Christum, les enfants vous adorent. Mon cher Jean-Louis, je vous remercie pour l'admiration que vous me portez. Mais je ne vous permets pas de juger de la qualité de mes enseignements. Mes employés travaillent durement pour un tel niveau de perfection. Je vous prie donc, en leur nom, d'avoir un minimum de respect pour la France qui travaille tous les jours, même le matin. Post-scriptum, je déteste les enfants. Mais passons à la leçon du jour. Nous allons aujourd'hui survoler les voyelles. A, E, I, O, U, Y. Grâce à nos amis les animaux. Je vais lire quelques mots de français que vous allez devoir apprendre et retenir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un oiseau, très bien. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un chien. Bravo. Et ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Gilbert? Voilà. Merci, Gilbert. C'est un poisson. Bravo. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh! Merde, Gilbert, c'est pas la foire du trône ici, bon Dieu! C'est parce que vous avez fumé ce matin, j'ai l'impression que... Oui, voilà. Qu'est-ce que c'est? Une vache. Ah, bravo. Et ça, qu'est-ce que c'est? Une poule. Et ça? Un cochon. Bravo. La leçon touche à sa fin. Relaxons-nous donc un petit peu grâce à un questionnaire de culture générale franco-française. Restons dans la thématique animalière au travers de ces trois questions essentielles à la connaissance du patrimoine français. Je vous préviens tout de suite, ce sera cette fois-ci un peu plus corsé. Gilbert, jingle s'il vous plaît. Première question. Quel est l'animal qui continue de chanter même lorsqu'il a les pieds dans la merde? Petit A, le coq français. Petit B, la tortue des Galapagos. Oui, Bernard Lebol à l'appareil, j'écoute. Allô, mademoiselle, maillot 38 37. Ah non, vous devez certainement faire erreur, moi c'est Bernard. Quel est votre prénom? Oui, j'ai compris, Julien. Mais puisque je vous dis que c'est Bernard, Bernard Lebol. Je ne vous ai vu que... Et puisque nous n'avons fait qu'un épisode. Excusez-moi, jeune homme, mais je vais devoir raccrocher. Encore un détraqué. Mais revenons à nos moutons. Deuxième question, qu'est-ce qui est Made in Normandie? Petit A, les vaches, rousses, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie. Petit B, l'ornithorynque de Pont-l'Évêque. Petit C, la girafe. Troisième et dernière question, que sont capables de manger tous les Français? Petit A, l'escargot et la grenouille. Petit B, la cigale et la fourmi. Petit C, le loup, le renard et la belette. Voilà, notre questionnaire touche à sa fin. J'espère que ce cours vous aura autant amusé que moi, car comme disait le poète Arthur Rimbaud, c'est avec le canon d'un flingue entre les dents qu'on ne prononce plus que les voyelles. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine. À vous les studios, à vous Cognac G. C'était Bernard Lebol qui vous parlait en français.